Eau, désert et vie semblent a priori incompatibles, et pourtant. Au nord du Chili, les déserts se succèdent du bord de la mer jusqu'aux plus hautes altitudes. Univers de désolation en apparence, leur beauté magique est d'être tous les déserts à la fois. Ushuaïa Nature va partir à la recherche de la vie, là où on ne l'attend pas. Bon, on va charger l'oxygène en dernier. Hein. Pour explorer ce monde minéral parmi les plus arides de la planète, l'équipe d'Ushuaïa Nature devait être éclectique. Le plongeur Henri Garcia, Fabiola Léon Vélard, professeur de physiologie, spécialiste de l'adaptation à la haute altitude, le géographe Pierre-Marie de Coudras et Sandy Cochepin, championne du monde de parapente, sont à San Pedro de Atacama au Chili. Ils s'apprêtent à partir pour l'ascension du Licancabur, un volcan éteint dont le petit lac de cratère à 6000 mètres d'altitude cache l'écosystème le plus haut du monde. Chili et Bolivie se partagent à égalité le seul réservoir d'eau à l'état liquide existant à une telle altitude. Mais l'atteindre se mérite et va exiger des hommes des efforts considérables pour s'adapter à ces hauteurs extrêmes. Non seulement les hommes vont devoir escalader ce sommet andin, mais le but ultime de cette expédition hors norme est d'aller plonger pour observer la vie qui se cache tout en haut, dans l'eau glacée, au cœur du volcan. Nicolas Hulot est côté bolivien de la montagne. Il a prévu de rejoindre l'autre équipe d'Ushuaïa Nature dans quelques jours, au pied du Licancabur, le temps de s'adapter à la raréfaction de l'oxygène sur ces hauts plateaux. En compagnie du biologiste Patrick Blanc, il va explorer deux des curiosités de l'altiplano, le Salar d'Uyuni et tout d'abord la Laguna Colorada. Ouais. Ouais. Juste au ras de l'eau. Ouais. Fais gaffe parce que oui. Par endroit, il y a des trous. Oui. Je vais aller voir au bord, là où c'est moins profond, pour justement essayer, tu vois, d'avoir d'autres espèces que celles qui sont ici au milieu du lac. Ce qui est fascinant, justement, dans les déserts, c'est de voir l'acharnement prodigieux de la vie à se maintenir coûte que coûte et en dépit du manque de tout, et souvent sous des formes particulièrement insolites, comme ici, justement, dans la Laguna Colorada, dans le désert du Lipez. Je me souviens toujours de cette formule d'un vieux professeur du Muséum d'Histoire Naturelle qui me disait à propos d'un autre désert, le désert de Namib en Afrique australe, ici, la vie est une économie de pénurie. Bonsoir, Ushuaïa Nature ce soir tournée vers les déserts, ces territoires les plus arides de la planète, là où l'eau fait défaut, la nourriture est rare, le soleil implacable et où le minéral triomphe sur tout le reste. Et paradoxalement, ces lieux austères sont souvent témoin, le décor qu'on a autour de nous, d'une beauté absolue. On est à 4200 mètres d'altitude, ça se sent, et le manque d'oxygène d'ailleurs s'ajoute aux autres restrictions. On est dans l'extrême sud de la Bolivie, pas très loin de l'Argentine et du Chili, qui sont juste derrière les crêtes. Sur l'altiplano, qui est ce grand plateau qui est coincé entre deux cordillères, et là on est dans la Laguna Colorada, qui est un de ces petits lacs salés, somptueux, que l'on trouve curieusement un peu partout dans cette région. On est à proximité du volcan de Licancabur qui est dans cette direction. C'est un des nombreux volcans qu'on trouve ici dans la cordillère des Andes. On essaiera d'en faire l'ascension. Il est à presque 6000 mètres d'altitude et surtout d'aller explorer un petit lac à l'intérieur du cratère qui est très probablement l'écosystème le plus haut du monde. Et chemin faisant, on va retrouver une autre équipe d'Ushuaïa Nature qui, elle, est partie côté chilien d'un des déserts les plus arides qu'il soit, le désert d'Atacama.
Et nous n'oublierons pas aussi que les hommes ont su de tout temps s'affranchir merveilleusement de ces milieux extrêmes et hostiles qui ont d'ailleurs souvent, comme ici, été le berceau de grandes civilisations, ici de civilisations andines. Et nous irons pour cela au Kazakhstan et au Niger, sur les traces des hommes du désert d'hier et d'aujourd'hui. Hop. Les lacs salés des Andes sont toujours de très faible profondeur. Ils sont la résultante de nappes phréatiques, réalimentées chaque année par la fonte des neiges des sommets environnants. Au cours de leur lent cheminement à travers les roches, les eaux se chargent en éléments minéraux, puis remontent par capillarité à la surface sous l'effet de la très forte insolation. Sans échappatoire, elles s'évaporent en déposant les sels et les minéraux qu'elles contiennent. Dépôt de gypse, ouais. Et dessus il y a du chlorure de sodium, c'est-à-dire tout simplement du sel, ouais, de mer, quoi, ou du sel de table. Par contre, ce qu'on ne sait pas tellement expliquer, c'est pourquoi il y a ces icebergs, enfin, oui, si tant est qu'on puisse les appeler des icebergs, enfin, ça y ressemble. C'est probablement les vestiges d'une époque où les eaux étaient plus hautes, de quelques mètres, oui. Et où il y avait une couche de sel plus importante. Ils sont tous à la même hauteur, donc ça plaide vraiment pour une variation de niveau. On va tirer un petit peu. Mais bon, fais gaffe où tu poses les pieds. Oui, parce que faut savoir qu'ici il y a des sables mouvants, tu vois. Oui, il faut faire. Il suffit pas de dire aller. Attends, ici. Ça va? Tu restes, oui. Oui, un peu trop long. Oui, non, mais c'était vrai, ça, il faut faire gaffe. Hein, tu sais, c'est vraiment. Faut se méfier, n'empêche. Hein. Ben, oui. Ça va? Ça va. Mais là-bas, ça va être meilleur. Côté chilien. La caravane d'Ushuaïa Nature progresse vers le volcan Licancabur. L'objectif de cette expédition est aussi d'acclimater la physiologie de chacun à l'altitude. Ainsi, plutôt que d'utiliser des véhicules tout-terrain, l'équipe a choisi le rythme lent des lamas domestiqués par les Indiens de l'Atacama. On a bien fait de partir tôt ce matin parce que, avec l'atmosphère qu'il y a, hein, le soleil. C'est incroyable la vitesse à laquelle on se déshydrate. C'est-à-dire que tu es quand même dans l'endroit certainement le plus aride du monde, hein, avec peut-être le désert libyque ou le désert de l'Out, il n'y a pas d'endroit qui soit beaucoup plus sec. Dans le lointain, le Licancabur pointe vers le ciel le cône de son volcan éteint. De nombreux contreforts et escarpements rocheux sont à franchir avant d'en atteindre la base. On dit du désert d'Atacama qu'il égare l'esprit et trouble la raison. Plus que les couleurs qui peignent le somptueux paysage minéral, c'est probablement sa situation en haute altitude qui est à l'origine de ce dicton. La vallée de la Lune, impressionnante, mérite son nom. Certains prétendent que la pluie n'est pas tombée ici depuis l'arrivée des conquistadors espagnols il y a 5 siècles. «
Les ingénieurs de la NASA ont trouvé dans ces paysages ce qui ressemble le plus au relief de la Lune. Ils y ont fait les essais de la Jeep lunaire et plus récemment du robot Pathfinder envoyé sur la planète Mars. Inséparable du paysage andin, le lama domestiqué ne l'est jamais tout à fait. Animal orgueilleux, à l'air toujours vexé, il n'en fait souvent qu'à sa tête, mais reste l'auxiliaire indispensable des Indiens des hauts plateaux et des expéditions étrangères. Allez, un petit effort. Autrefois unique moyen de transport et de subsistance, cet animal fournit toujours la laine, le lait et la viande. Malgré la rareté des pâturages, son élevage se poursuit. Comme ses cousins, les chameaux et les dromadaires, et plus généralement comme tous les animaux de monte ou de bas, les lamas apprécient peu les pentes raides des dunes de sable modelées par les vents. La vallée de la Lune regorge d'importantes réserves de sel. Mais le plus grand désert d'or blanc du monde est en Bolivie, le Salar de Uyuni. Un sentiment très étrange, peut-être l'illusion du néant, ou en tout cas la bonne définition du désert qui est tout simplement une somme de soustractions pour ne retenir que l'essentiel. La pureté absolue. Sur 10 000 km², c'est-à-dire quasiment l'équivalent de deux départements français, la plus grande croûte de sel au monde, le Salar de Uyuni, à près de 3800 mètres d'altitude. Et l'on oscille entre deux tendances, le sentiment de survoler la banquise polaire, ou tout simplement une mer de nuages parfaitement plane, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est le résidu, ou plutôt le vestige, d'une succession de gigantesques lacs salés, qui ont occupé cette dépression pendant plusieurs millénaires, qui fait que je survole quasiment un millefeuille de sel sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Et voilà, sur 360 degrés, l'un des déserts les plus impensables au monde. Nicolas a parfaitement équilibré l'air contenu dans l'enveloppe de son cloud hopper avec l'air ambiant. Poussée par le vent, la petite montgolfière peut glisser de manière linéaire à quelques mètres de la surface immaculée. Il patine sur une mer de sel et de sédiments lacustres déposés depuis des millénaires par les eaux venues des montagnes. Environ 50 000 lacs salés ou croûtes de sel existent sur notre planète.
le Salar d'Uyuni et ses 10 000 km² est le plus vaste. Bernard Pouillot, de l'Institut de recherche pour le développement, à La Paz, y réalise d'importantes études depuis de nombreuses années. Ce salar concentre à peu près tous les sels de la création. Potasse, sulfate, carbonate, chlorure de sodium. Il représente surtout la plus importante réserve d'un métal rare, très recherché aujourd'hui, le lithium. Au rythme de la pluie apportée par El Niño, les zones les plus basses du salar sont inondées. Sans évacuation possible, les eaux disparaîtront sous l'action du soleil. Tourné vers le Salar, le village de Cochani et ses habitants ont vu passer bien des conquérants. Héritier d'une culture très ancienne, conquis par les Incas puis par les Espagnols, ils se sont adaptés et ont intégré les divers apports culturels au sein de leur propre civilisation. Tout le village est tributaire du sel. Même les bâtiments sont construits avec des briques taillées dans le salar. Qu'il tombe des pluies diluviennes, et le village tout entier fondra comme un sucre d'orge. Pour assurer leur subsistance, chaque matin, les Indiens Aymara rejoignent le lieu de leur travail, offert par la nature. L'immense bassin de Uyuni est une réserve de sel inépuisable pour les habitants de la région. Dans l'atmosphère raréfiée de l'altiplano, l'intense rayonnement réfléchi par la surface du lac de sel brûle la rétine et oblige les hommes à se protéger. La croûte de sel est soigneusement débitée au moyen d'outils rudimentaires. Coupés au cordeau, parfaitement calibrés, les pavés seront vendus pour la construction, le troc ou pour les lamas et les chèvres qui en sont friands. Le meilleur sel, le plus blanc, est raclé en surface puis rassemblé en tas pour sécher au soleil. Les Indiens du Salar d'Uyuni vivent ainsi depuis des siècles, avec pour préoccupation de satisfaire la faim du lendemain. La feuille de coca, mâchonnée à longueur de journée, calme momentanément les estomacs. Fils du vent et enfants du soleil, ils savent depuis peu qu'ils tiennent dans leurs mains un trésor phénoménal qui n'est plus seulement le sel. Étonnantes petites îles surgies du blanc, comme flottant dans le ciel. Voilà l'un des déserts les plus incroyables de la planète. Et pourtant, sur ces toutes petites îles que l'on voit au milieu de cette étendue blanche, où je vais retrouver Patrick Blanc, là aussi, la vie y a trouvé refuge sous les formes les plus extravagantes ou les plus surprenantes, en tout cas en ayant développé des stratégies d'adaptation à cette sécheresse et à ces grands écarts de température, car la nuit peut faire jusqu'à moins 10, moins 15 et le jour jusqu'à plus 20, plus 30.
Mais bon. Tu vas juste m'aider à dégonfler la Montgolfière, Patrick? Ouais, attends. Voilà, dès que tu peux, voilà. T'as qu'à poser ton sac. Voilà, je te retiens le... Voilà, on va poser le ballon comme ouais. Ça. Ok. Voilà. C'est bon? Ouais, bon. Comme tous les îlots émergents du Salar, Isla del Pescado a une base constituée de roches volcaniques. Sur la lave se sont déposées en couches successives des algues vertes filamenteuses et des sédiments lorsque cette immense cuvette était noyée sous des dizaines de mètres d'eau. Cet amalgame a permis à la végétation de se développer. Attention parce qu'il y a des tout petits. Oui. On voit à peine et je suppose que les aiguilles doivent être capables de te transpercer une semelle de chaussure. Sans aucun problème. Oui. Hein? Oui. En fait, les cactus, c'est quoi? Ce sont des plantes qui ont évolué tout simplement pour s'adapter à la sécheresse, quoi. Oui, il semble en fait que les cactus les plus primitifs à l'origine soient plutôt des plantes forestières puisqu'elles ont des feuilles. Ouais. Les cactus primitifs ont des feuilles. Et petit à petit, après, ils ont évolué dans des forêts de plus en plus sèches, vraisemblablement, pour arriver dans des endroits comme ici, où non seulement c'est sec, mais tu n'as même plus de sol. Hein. Oui, mais enfin, c'est quand même des plantes qui ont abandonné les formes habituelles du végétal voilà. Pour adopter des formes quelquefois plus proches du minéral. Voilà, ils ont donc perdu leurs feuilles au fil de l'évolution. En revanche, la tige, elle, c'est elle qui est devenue chlorophyllienne. C'est-à-dire que les tiges sont vertes, la photosynthèse se fait dans les tiges. Il n'y a plus de feuilles, donc ça réduit la transpiration. Et cette forme très très cylindrique, évidemment, elle aussi contribue à réduire la transpiration. La forme cylindrique, c'est la tige qui est devenue, voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle une plante succulente. Voilà. C'est-à-dire qui fait de la rétention d'eau. Voilà, exactement. Et ça lui permet de tenir de longues périodes de sécheresse. Voilà, mais ce qu'il y a, en fait, quand tu vois là comment on voit au sol les vieux qui sont morts, en fait, ça n'est pas que de l'eau, hein, le cactus. Il se tient droit aussi grâce à du bois. On voit très très bien ce bois qui est très très ajouré et qui donc, tu as ces deux phénomènes, la succulence liée à l'eau et le bois qui maintiennent le cactus droit. Et alors les épines, ce sont des feuilles quand même, les épines? Non. Non, pas vraiment. Les épines, enfin, les botanistes sont toujours pas d'accord, mais tu vois, quand on voit très bien, à chaque fois, tu as une zone qui est ce qu'on appelle l'aréole. Ouais. Donc tu vois un petit rond avec des petits poils blancs. Et là, tu as donc... On pense qu'à l'origine, il y avait une feuille, comme on retrouve chez certains cactus primitifs. Mais là, donc, toutes ces épines, on pense que c'est lié plutôt à des rameaux courts, modifiés, et donc non pas du tout à des feuilles. D'accord. Enfin, ça a au moins une double avantage par rapport aux conditions dans lesquelles les cactus s'épanouissent. C'est qu'effectivement, par rapport à l'installation, ça offre une surface minimum. Extrêmement réduite. Et contre voilà. Certains prédateurs, évidemment. C'est quand même particulièrement efficace. Évidemment. Évidemment, non, c'est très, très, très bien adapté à ces milieux secs. Hop. On a une idée de la rapidité de la croissance des cactus. Bah écoute, ça c'est quelque chose qui est extrêmement variable. En fait, en gros, un cactus pousse s'il a de l'eau, et s'il n'a pas de l'eau, il ne pousse pas, ou il pousse quasiment pas. Ça se met de quelques millimètres. Ça peut aller d'un centimètre par an à 10, 15, voire plus. Ouais. Donc tu vois, c'est très dur de donner un âge, parce qu'on dit toujours beaucoup de bêtises sur les âges, tant qu'on n'a pas vraiment des mesures très 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 exactes. En faisant des carottages pour voir les accroissements. Et là, il n'y a pas d'accroissement chez les cactus. Oui, tu n'as pas de cercle concentrique. Voilà. Comme chez les arbres, par voilà. Exemple, qui permettent de connaître leur âge. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en culture, on a des cactus qui vivent jusqu'à 250 ans. Oui. Et que par analogie ou comparaison, on pense que certains cactus ont plusieurs millénaires. Hein. Oui, on pense, mais bon, je dis, on manque encore. Autant pour beaucoup d'arbres, on a des mesures précises. Bon, là, il faut passer plutôt à des choses du type carbone 14 pour dater, parce que la chronologie classique ne marche pas. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'on se balade là, on mais... On prend ton souffle, hein. Ben oui, on est quand même assez haut, hein. On est encore à 3008, hein. Quand même, oui. Donc, ce qu'il y a, c'est que tu remarques... Tu vas me faire un édème pulmonaire. Non. Tu vois, ce grand cactus qui est, je pense, un échinopsis. Mais en fait, il y a quelque chose qui me trouve, c'est que normalement, les échinopsis, ils ont des épines qui sont tout à fait régulières. Or, qu'est-ce que tu vois là? C'est qu'au bout de 2 à 3 mètres de hauteur, le cactus se métamorphose. C'est-à-dire que tu vois que les épines sont de plus en plus courtes, les poils blancs de plus en plus longs et de plus en plus nombreux. Et en fait, les fleurs n'apparaissent que justement dans ces zones qui sont toutes blanches. J'appelle ça des pseudocéphaliums. Et ça fait une floraison annuelle? Ça fleurit, oui. Apparemment, c'était en fleurs il y a 3-4 mois. Ils sont tous en fruits. Et donc, les fruits s'ouvrent maintenant. Et tu vois très bien souvent 3 ou 4 valves. Et tu as la pulpe blanche et les graines noires. Et c'est les oiseaux qui viennent piocher ça, qui se nourrir et qui, bien sûr, dans les déjections, sèment les graines.
Tiens, Nicolas, tu vois, il y a d'une part, bon, les épines de cactus qui blessent de façon mécanique. Bon, là, il y a une plante qui est presque pire. Elle est merveilleuse, hein, regarde. Ça, oui. C'est une... tache de couleur. Voilà, l'unique tache de couleur. C'est une Loazacée, c'est-à-dire c'est une famille essentiellement des Andes, mais alors qui est absolument terrible, parce que tu vois, partout, que ce soit sur les feuilles, sur les tiges, et même sur les pétales, tu as des petits poils, et ces petits poils sont des poils urticants, bien pire que les orties, c'est-à-dire que ça, le poil te rentre dans la peau, ça se casse, et tu as toute la substance qui est très... ça fait extrêmement mal. Non, mais quelqu'un d'allergique, ça peut être très très grave. Mais donc, c'est comme des plantes extraordinaires, toujours des très très belles fleurs, et tu les trouves depuis Venezuela jusqu'au Chili, c'est incroyable. Incroyable, un bouquet de fleurs en plein désert. Ouais. Dans l'environnement hostile des déserts d'altitude, la vie s'est installée malgré tout. Ce qui fascine les scientifiques, c'est moins de trouver des plantes capables de vivre sous ces climats et dans ces conditions d'aridité, de salinité des sols et de température polaire, que de constater qu'elles se développent à une telle altitude. Partout ailleurs dans le monde, en zone tropicale, que ce soit en Afrique ou en Asie, ce genre de végétation n'existe plus passé 3500 ou 3800 mètres. Dans les Andes, les polylépis, de petits arbres aux feuilles charnues et persistantes, se sont parfaitement acclimatés. On en trouve même jusqu'à 5000 mètres. La faune aussi a colonisé ces îlots d'un autre monde. Comment ce viscachas, lapin kangourou, est-il arrivé jusque-là? Ailleurs, sur les rives du Salar, sa peau risquerait d'être mise à prix comme celle des vigognes, dont il ne reste plus qu'une trentaine de milliers de spécimens dans les Andes. Le volcan du Likankabur, but ultime de cette longue marche, n'est plus très loin. Si pour l'équipe d'Ushuaïa Nature, le rythme de la caravane est la meilleure manière de s'adapter à la très haute altitude, dans bien d'autres zones arides du monde, le nomadisme est la seule solution pour gérer les maigres ressources offertes par les déserts. C'est aussi vrai au Kazakhstan, où d'autres hommes en marge de la modernité perpétuent leur tradition nomade. Kazakh, en turco-mongol, signifie l'homme de l'errance. Descendant d'une peuplade qui fit parler d'elle en accompagnant Gengis Khan dans ses conquêtes, une cinquantaine d'aigliers kazakhs entretient aujourd'hui une tradition que les joues successives des Chinois et des Soviétiques avaient tenté d'éteindre. L'histoire des Kazakhs est encore bien plus lointaine, puisque ces fiers cavaliers sont issus en droite lignée des féroces guerriers Tsungnu qui vivaient trois siècles avant Jésus-Christ. L'aigle, dit-on, a ses ailes, le kazakh a son cheval. Dans ces steppes immenses, l'enfant apprend à chevaucher en même temps qu'à marcher. Incontestablement, le sang de leurs ancêtres mongols coule encore dans leurs veines. L'habitat traditionnel est la yourte, une tente ronde de 6 mètres de diamètre, sans amarre, mais capable de résister aux vents les plus violents. Il faut environ 2 heures pour la monter. On place tout d'abord plusieurs épaisseurs de tapis sur le sol. Puis le kana, un treillage circulaire en bois de saule pour l'armature de la paroi. Vient ensuite une couronne faîtière maintenue par des cordelettes et ouverte en son sommet pour évacuer la fumée, mais aussi pour recevoir l'air et la lumière. Le tout est recouvert à l'extérieur de plusieurs épaisseurs de feutre, dont la dernière, enduite de graisse, assure l'étanchéité.
Une yourte pèse environ 200 kilos, dont 150 pour le seul feutre. Une des dernières pièces à ajouter à cet édifice à la fois robuste et léger, la porte, qui ouvre toujours au sud, pour souhaiter du bonheur aux visiteurs qui la franchit. L'aigle royal, avec ses 2,30 m d'envergure, est le roi des oiseaux. Rapace intelligent, il est malgré son aspect impressionnant un animal émotif, anxieux et particulièrement sensible à l'affection de celui qui l'a dressé. L'aigle est plus efficace que le meilleur fusil. Il est un missile qui détecte sa cible du haut des airs et s'abat sur elle à plus de 200 km/h. Tel chasseur, tel aigle, dit un proverbe kazakh. L'association est redoutable d'efficacité. Mais il ne faut pas s'y tromper. Il y a danger si vous approchez de ce seigneur du ciel sans avoir été présenté. Le soir sous la yourte, après le repas fait d'un pilaf de mouton assaisonné de piment rouge, la dombra, une guitare à deux cordes, accompagne les chants célébrant les événements de la vie des Kazakhs. Au bord de la falaise, le Kazakh enlève le tomaga, un chaperon de cuir empêchant l'aigle de voir lors de la chevauchée. Campé sur l'épais gant qui protège la main et l'avant-bras des redoutables cerfs, l'aigle royal attend l'ordre pour prendre son envol. Dans la nature, l'aigle chasse les animaux malades ou affaiblis, lièvres, bouquetins, renards, loups et petites antilopes. En s'associant à l'homme, il assure sa nourriture et laisse à son dresseur les fourrures de ses proies. L'aigle parfois manque sa cible.
Au sol, handicapé par ses immenses ailes, il préfère renoncer. Au bout de quelques années, les chasseurs relâcheront leurs rapaces. Les grands oiseaux reprendront naturellement leurs habitudes de prédateurs impitoyables, mais alors pour leur propre compte. L'aigle a été et reste l'emblème de nombreux empires et nations. Le flamant rose de la Laguna Colorada aurait pu être celui de la Bolivie. Quand tu les vois voler comme ça, courant de l'eau, avec l'effet miroir, en fait, ça équivaut à regarder une colonie de flamands à l'altitude de l'aiguille du Midi au-dessus de Chamonix, parce que on a tendance à l'oublier, parce qu'avec le ciel bleu, on a l'impression qu'on est dans un climat... On est à 4200 mètres d'altitude et la température en témoigne d'ailleurs. Mais l'eau derrière, la glace. Qui est de l'eau douce, l'eau thermale, elle est gelée. Évidemment, l'eau qui est excessivement saline, elle, ne gèle pas. Incroyable de voir combien ces animaux se sont parfaitement adaptés à ce milieu-là. Et Fabiola me disait que l'adaptation de leur métabolisme à l'altitude démarre déjà au stade embryonnaire par un système assez sophistiqué. La coquille d'œuf permet à la fois à l'air de rentrer à l'intérieur tout en évitant de perdre des calories, en faisant en sorte que quand l'oisillon doit casser la coquille, il soit aussi bien adapté à l'altitude que les flamands adultes. Il y a 6 espèces de flamands au monde. Et très curieusement, on trouve 3 espèces, ce qui est énorme, de flamands dans les Andes. Il y a 2 espèces assez communes, qui est le flamand des Andes, justement, et le flamand chilien. Et une espèce beaucoup plus rare, qui est le flamand de James, qui est endémique, c'est-à-dire propre à cette micro-région, qui ici est assez prolifique. Hein. Seulement dans très peu de lacs. Voilà. Ce qui est remarquable, c'est qu'au point de vue nourriture, finalement, ils se partagent vraiment 2 niches écologiques. C'est-à-dire que le flamand du Chili, qui est proche de celui de chez nous, lui, il se nourrit de la même façon. C'est-à-dire qu'il ramasse essentiellement les crustacés qui sont dans la vase, alors que les 2 autres, celui des Andes et celui de James, eux, se nourrissent de diatomées, c'est-à-dire de ces fameuses algues unicellulaires. Elles sont minuscules, elles font à peu près 60 microns, ils sont 60 millièmes de millimètre, donc il faut qu'ils en consomment des quantités énormes. Et donc, ce qui est remarquable, c'est qu'il y en a un qui mange des animaux qui ont eux-mêmes mangé des algues, et les autres qui mangent directement les algues. Tu veux dire qu'il y en a... Un qui est végétarien, oui. Et l'autre qui est carnivore. Voilà, voilà. Ça, c'est incroyable. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir la morphologie et l'anatomie de ces oiseaux qui est absolument adaptée à leur type de nourriture et à leur mode de nourriture, parce qu'on voit bien, il suffit de regarder ce qu'on a devant ou ce qu'on a derrière, ils fouillent la vase, la tête en bas, et de fait, la mandibule inférieure est plus longue que la mandibule supérieure, alors que chez les autres oiseaux, c'est exactement l'inverse. Et ils ont une langue qui était aussi un organe très spécialisé parce que cette langue fait office de pompe, puis de filtre. On n'a pas l'air de trop les déranger. Non. On n'a pas vraiment l'air de prédateurs. De toute façon, ils n'ont pas de prédateurs ici, je crois. Absence de prédateurs et nourriture en quantité, les flamands prolifèrent. Ils passent leur temps à voler d'un bout à l'autre du lac et peuvent envisager leur vie en rose. Patrick Blanc et Nicolas ont effectué quelques prélèvements dans la lagune. L'observation au microscope expliquera pourquoi les Grecs appelaient les flamands l'oiseau à l'aile de flamme. Il faut
thé avec des pots de confiture. tu vas voir la gelée qu'il y a dedans. En fait, c'est marrant parce qu'en transparence, on retrouve bien la coloration. Ah, tout à fait fidèle, ah, oui, c'est tellement dense les algues à l'intérieur. Il y a d'accord. Et tu vas nous montrer que contrairement aux apparences, voilà. C'est la grouille de vie. Ah oui. Hein, et c'est intéressant de voir de temps en temps que ce qui n'est pas visible à l'œil nu, pour autant, n'est pas insignifiant, voilà. Parce que c'est le début d'une chaîne alimentaire. Tout à fait. Alors là, je crois que le mieux, c'est quand même qu'on commence par ce fameux jus orange qui caractérise la Laguna Colorada. Alors le mieux, on va regarder tout de suite au microscope les fameuses petites Dunaliella. Des algues unicellulaires. Hein. Ce sont des algues unicellulaires, tu vas le voir. On essaie de situer les choses, mais dans la pyramide du complexe, on est vraiment en bas de l'échelle. Quoi. Ah oui. Ce sont des plantes à part entière. Ah, totalement. Qui, comme les plantes supérieures, font la photosynthèse, donc participent à pourvoir l'atmosphère d'oxygène. Bien sûr. Parce que ce qu'il faut expliquer, ce qui fait la spécificité des plantes, c'est qu'elles sont capables, à partir de substances minérales, de fabriquer par la photosynthèse leur propre substance organique. Ça, c'est un des miracles pour moi de la vie, parce que c'est une passerelle entre le règne minéral et le règne végétal. C'est qu'à partir d'éléments inertes, on fabrique la vie. Et alors que les animaux, eux, il faut qu'ils aillent se nourrir, parce qu'ils ne peuvent pas se fabriquer leur propre nourriture. Bien sûr. Alors, voilà. Bon, bah écoute, regarde. Là, tu vois très, très bien. Regarde, là. On voit très, très bien cette forme, donc, ovale, allongée. Ouais. Tu vois des halos verts qui correspondent à l'unique chloroplaste qui entoure complètement la cellule. Et à l'intérieur, tu vois tous ces petits globules qu'on voit très, très bien, orange vif, ces globules de carotène que contient l'algue. Et donc, ils sont mangés après par les petits crustacés, pas par les flamants roses. Hein. D'accord. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, tu vas regarder dans ce bocal-là, c'est donc les autres algues qui n'ont rien à voir. Ce sont donc les fameuses diatomées. Alors, il faut savoir que c'est là qui était totalement inconnu, jusqu'à ce que Simone Servan, il y a une quinzaine d'années, les explore tous. Elle a mis en évidence qu'il y avait en fait à peu près 300 espèces de diatomées qui sont donc propres à la région. Propres à la région. Alors, je voudrais te montrer comme celle qui sert essentiellement de nourriture à nos deux chers flamants roses, c'est-à-dire le flamand des Andes et le flamand de James. C'est une autre qui a un très joli nom aussi, c'est Sourirella, qui est très ovale. Tiens, voilà, regarde une. Là, tu vois très très bien. Tu vois cette forme ovale avec le squelette. Alors, elle est plus grande que les autres, tu vois. C'est ça dont se délectent nos flamants. Voilà, elle fait à peu près 60 microns, 60 millièmes de millimètre, et c'est ça qui sert de nourriture aux flamants roses. C'est donc en fixant et en convertissant en rose orangé les pigments de carotène contenus dans leur nourriture que ces javelots ailés se parent de leur sublime couleur. La Laguna Colorada semble ainsi colorier de rose pastel tout ce qu'elle touche. Loin derrière la chaîne montagneuse qui barre à l'ouest l'étrange lagune, la caravane d'Ushuaia Nature, sur l'altiplano chilien, au milieu des geysers del Tasio, est sur le point d'atteindre son but. Dans cet espace minéral, partout la terre éructe et crache des flots de vapeur sulfureuse à intervalles réguliers. Partout, l'eau brûlante jaillit des fissures de la roche. Il faut être attentif à l'endroit où l'on pose les pieds et prendre garde aux sautes de vent parfois violentes qui rabattent brutalement le jet de vapeur dans la mauvaise direction. Réglés comme des métronomes, les geysers se tairont les uns après les autres après quelques dizaines de minutes d'intense activité jusqu'à ce que la bouilloire souterraine réactive le phénomène. De la fontaine chaude du désert. Les eaux de pluie s'infiltrent, la fonte des neiges s'infiltre.
Elles arrivent au contact de roches qui sont très chaudes, l'eau se dilate. Il manque de place, donc à ce moment-là, en fonction de la pression, elle remonte en altitude. Oui, moi, je n'ai jamais vu un geyser si grand comme celui-ci dans toutes les salles, tu sais. Oui, mais c'est sans doute le désert qui comporte le plus de geysers, cette région du Chili. Et c'est certainement la zone de geyser la plus importante dans les Andes. Si les geysers ajoutent au paradoxe du désert d'Atacama, l'un des plus secs de la Terre, le Sahara, la zone désertique la plus étendue de la planète, cache ses eaux sous le sable. Éparpillés dans les sables du Mali, du Niger, d'Algérie et de Libye, les Touaregs forment un peuple à la culture riche et vivace. Le Sahara est pour eux un refuge. Ils ont les savoir-faire leur permettant de vivre dans cet univers hostile aux hommes. Symbolique de la pensée touareg, la maison en dur est pour eux le tombeau des vivants. Alors ils se déplacent au gré des points d'eau, avec femmes, enfants, tentes, ustensiles de cuisine, sans oublier leur unique richesse à quatre pattes, les chèvres et les dromadaires, que tout le monde appelle ici chameaux. Tous les Touaregs parlent tamashek et ont la même écriture, le tifinagh. Ainsi, lorsque leurs routes se croisent, ils communiquent d'où qu'ils viennent, de Gao ou de Tombouctou, du Hogar ou du fin fond du Niger. Saint-Exupéry écrivait « Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. » Les points d'eau naturels sont rares, mais tous sont connus des Touaregs. Le premier travail des femmes accompagnées par les enfants est de s'approvisionner en eau douteuse, mais infiniment précieuse. Désert et nomadisme forcent les enfants à se prendre très tôt en charge, à appréhender leur environnement ingrat et à s'occuper des chèvres comme de leurs cadets. Après l'eau, la préoccupation majeure des nomades est de trouver la nourriture pour les bêtes, sachant qu'une terre riche signifie ici au Sahara des touffes clairsemées d'herbes rêches pour les chèvres et quelques épineux rabougris pour les chameaux. Depuis 8000 ans, le Sahara n'est plus parsemé de lacs et de pâturages. Les ouragans secs font et défont les dunes, transformant les milliards de grains de silice en superbes drapés aux courbes féminines. Lorsque la tempête s'annonce, il faut rassembler et entraver au plus vite les chameaux pour ne pas les perdre. Le Touareg n'a rien, parce que ses déplacements incessants l'obligent à se charger le moins possible. Des tapis de laine cousue et quelques piquets suffisent à lui faire un toit. Il incombe aux femmes de piler le mil. De toute la journée, à part quelques dattes grignotées,
En raison du peu de nourriture disponible, personne ne mange, sauf les très jeunes enfants. Le repas se prend le soir. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Le plat de base est la boule, une bouillie de mil mélangée à du lait et à des dattes écrasées. Exceptionnellement, un ragoût de légumes et un peu de viande améliorent l'ordinaire. Et toujours la tagela, une galette de blé cuite au dernier moment. Les jeunes chameaux ne pourront boire tout leur sou à la mamelle. On doit impérativement les éloigner car sinon, le lait denrée rare et indispensable ferait défaut aux hommes. Dans le désert, il faut savoir partager. Au lait, les adultes préfèrent le thé brûlant et vert. Ce breuvage a remplacé le café et il est devenu un véritable rite. Qu'importe le flacon. L'épouillage régulier est aussi une habitude, mais surtout une nécessité. Comme pour les chamelons, la consigne est d'empêcher les cabris d'épuiser le lait de leur mère. Les enfants le savent et font eux-mêmes la police. Pour la même raison, quand vient le soir, les chevreaux sont attachés à un fil tendu entre deux acacias. Les Touaregs se retrouvent alors autour du feu traditionnel pour évoquer des histoires de désert ou peut-être celles d'autres Touaregs qui ont tourné le dos au nomadisme, répondant aux sirènes d'une vie à laquelle peu s'adapteront sans y laisser leur âme. Les zones désertiques occupent un tiers de la surface des terres émergées de notre planète. Déserts du Kazakhstan, du Niger, du Chili ou de Bolivie, l'origine de leur formation complexe est chaque fois due à des phénomènes différents liés à leur situation géographique particulière. Mais dans chacun d'eux, des hommes ont toujours su composer et s'adapter pour survivre. Sur l'altiplano bolivien, Nicolas Hulot et le biologiste Patrick Blanc approchent du pied du Licancabur, où ils doivent retrouver l'autre équipe d'Ushuaia Nature en provenance du désert d'Atacama. Ils vont tenter ensemble l'ascension du volcan pour aller explorer au cours d'une plongée périlleuse le plus haut écosystème aquatique de la planète. Parti de l'altiplano bolivien en direction du volcan Licancabur,
Nicolas Hulot et le biologiste Patrick Blanc sont sur le point de rejoindre l'autre équipe d'Ushuaïa Nature, qui a, elle, traversé une grande partie du désert chilien d'Atacama. La jonction doit se faire à l'emplacement d'un très ancien comptoir inca, près de la Laguna Verde, qui doit sa couleur aux éléments minéraux dissous dans ses eaux. Sont aussi à pied d'œuvre le médecin Sonia Popov, le guide chamoniard Jean-Sébastien Knotzer, le plongeur Laurent Guénoun et la chilienne Claudia Bure. Ça va, vous êtes tranquille ? Hein ? On va les guider de la Atacama. Oh là ! Bon, mais. Qu'est-ce que tu as ? Salut, Laurent. Salut, Laurent. Ça va, Fabiola ? Ça va, ouais. Oh bah. On est à quelle altitude là? Ah ben là on est à 4679 mètres exactement. Combien? 4679. Un peu en dessous du Mont Blanc. Oh alors, toi qui fais toujours dans les bons plans, toi? C'est toi qui fais la cuisine. Eh ouais, eh ouais. Tu vas voir, c'est un régal. Et Henri, on est à combien? C'est un régal. 6014. Ça va, mon Patrick? Ça va. Donc tu m'as menti. Mais non, mais je voulais pas te faire peur. On fait un plus de 6000. Oui, un allez. Tout petit peu plus. C'est simple. Qu'est-ce qu'a fait la cuisine, que je sache? Attends, je vais vous dire tout de suite. C'est grandiose. Le cadre, extraordinaire. T'as plongé combien de fois là-haut, Henri? Une seule fois. Une heure huit minutes. C'était suffisant. Mais on va faire la même chose, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, que malgré qu'on peut imaginer qu'il n'y ait rien, c'est, et de la ça vie. Nous donne pas énormément de vie. C'est incroyable. Ça explose de vie, ça brouille de tous les côtés. En fait, c'est les eaux libres, enfin partiellement, 6 mois de l'année à peu près, les plus hautes du monde. Quoi. Exactement. Là, on a la chance, par incidence géographique, la situation du volcan est un entonnoir qui est récepteur de soleil. Entre 10h et 1h de l'après-midi, ça se décongèle donc, et ce qui nous permettra de. Occuper la fenêtre. Exactement, d'occuper la fenêtre. D'accord. T'as intérêt à sortir avant que la fenêtre se referme parce que. J'ai emmené un piolet finalement. L'itinéraire, c'est là ? On ouais. passe par là ou ? Non, on remonte là, tu vois, là, dans le vague pierrier, là, dans cette espèce de goulotte là. Et puis une fois que le pierrier devient trop pénible. Il faut arrêter le whisky. On l'a refait. Je vais utiliser un autre mot. L'ambiance détendue des retrouvailles ne doit pas faire oublier le sérieux de la situation. Fabiola contrôle pour la énième fois la teneur en oxygène stockée dans les globules rouges du sang des candidats à l'ascension. Tous ne monteront pas au sommet si les tests sanguins s'avèrent trop peu satisfaisants. 90 et 84. Ça va. Après, toi viens de marcher un peu. Hein. J'ai marché, oui, mais j'ai pas du tout l'habitude de l'altitude. Ah. J'ai jamais été aussi haut que ça de ma vie déjà. Tu marches bien ? Ouh là là ! Parce que. Non, mais quand même, non. Combien je suis ? Alors lui, 4... tu fais bien de rester là, toi. Combien il a ? 83. Ah ben c'est pas mal, non ? Non, c'est bon, c'est pas mal, c'est pas super, mais. C'est mieux mais de bon, rester. Bon, peut-être toi, désaturer un peu y a parce pas que. Il y a une plante supérieure là-haut. Oui, donc c'est pas la peine. Alors, globalement, Nicolas... l'équipe est apte pour le Lican de Cabourg. Oui, globalement, oui. Ouais. Vraiment, il n'y a ici personne qui désature. Tout le monde est bien, bien saturé. Là, tu vérifies quoi, en fait? Je vérifie la saturation de l'oxygène dans le sang. Formidable tour de contrôle de lave et de scorie, montagne sacrée des Indiens de l'Atacama, le Lican Cabourg et son lac endormi dominent la cordillère environnante. Le départ du camp, installé à 4800 mètres, est donné à 3h du matin dans le froid intense. L'équipe compte au maximum 6 heures de marche et d'escalade pour couvrir les 1200 mètres de dénivelé qui les sépare du sommet. Ils sont en tout une vingtaine
à mettre leurs pas dans ceux des Incas pour qui, il y a 500 ans, le cratère du Licancabur était un lieu de sacrifice. Une poussière de temps si l'on considère l'âge de ces montagnes, dont la formation remonte à 200 millions d'années. Depuis, le plissement andin ne cesse de grandir, résultat de l'enfoncement de la plaque pacifique sous la plaque continentale américaine, à raison de 9 cm par siècle. Par endroits, la roche volcanique dégradée par le gel rend la progression plus difficile encore. Et certains passages nécessitent l'installation de cordes. Forte de ses 7000 km du nord au sud, les Andes constituent la chaîne de montagnes la plus longue du monde. Plus d'une vingtaine de ses sommets dépassent largement 6000 mètres. Sympa, non ? Sympa, sympa, c'est peut-être un mot un peu exagéré. Un peu fort. Attention. On n'apprivoise pas le Licancabur, on lui livre bataille. Contrairement à certains animaux comme les lamas ou à certains oiseaux, l'homme ne peut physiologiquement s'adapter à la raréfaction de l'oxygène aux très hautes altitudes. Il peut lutter contre le froid, l'humidité et le vent en se couvrant, mais il ne peut intervenir volontairement sur la saturation en oxygène de son hémoglobine. L'épuisement n'épargne personne. Pas même le guide Jean-Sébastien Knotzer, pourtant rompu aux courses en montagne. Pour chacun, mettre un pied devant l'autre exige un effort considérable. Marcher n'est plus un automatisme, mais une réflexion de tous les instants. Un ordre que l'on donne à des muscles qui ne peuvent plus répondre. Le manque d'oxygène n'affecte pas seulement le physique, mais aussi le mental. Au sommet de l'Everest, à 8848 mètres, on estime que les capacités humaines sont réduites à 20%. Plus que 200 mètres. Sur le flanc du Licancabur, dans les rangs des grimpeurs, le silence a depuis longtemps remplacé les boutades. Parler est aussi devenu un effort et chacun se concentre. Bianca, Laguna Verde et la fameuse lagune du Licancabur.
Voilà. Selon, c'est 5900... Combien, 90? Ouais, 91. Et puis, selon les GPS, ça serait 6000, peu importe. Une chose est sûre, c'est que ça donne quand même à la fois le sens de la mesure, de la retenue, et surtout, ça permet de d'apprécier à leur juste dimension les exploits de ceux qui fréquentent les cimes au-delà de 6000 mètres, parce que pour ma part, je peux vous dire que j'ai atteint largement mon seuil de compétence. Le plus dur reste presque à faire, c'est d'aller rejoindre Henri Garcia, qui a eu la curieuse idée de nous proposer d'aller voir la microfaune qui, semble-t-il, se serait réfugiée dans ce minuscule lac qui représente bien les eaux libres les plus hautes du monde. Se sont fait désirer et j'espère qu'on n'ira pas vers une déception mais vers une agréable surprise. Quoi qu'il en soit, voilà, la récompense est ici. La cordillère des Andes. 360, hein. Sur 360 et sous ses plus belles livrées. J'ai mis en application ce que Fabiola nous avait dit sur le manque d'oxygène. Définitivement, je peux vous dire que c'est pas bon à l'organisme de le priver d'oxygène. Je confirme que, mis à part moi, ils ont tous 20% de leur capacité. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que moi, j'ai 2%. Allez, on y va. Après 6 heures de marche éreintante, à la limite de l'asphyxie, il faut encore descendre au fond du cratère et trouver assez d'énergie et de motivation pour plonger dans l'eau glacée. Malgré les températures nocturnes largement négatives, l'ensoleillement exceptionnel sous cette latitude empêche les eaux du lac d'être totalement prises par la glace. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Si je reste coincé, je respire plus. Ok. Impec. Super. Bravo. Le moindre mouvement ici, on a l'impression de se vider de son énergie. Mais bon, ça va alors, hein? Ouais, pas mal. J'ose même pas imaginer la mise à l'eau pour casser la glace. En fait, je fais les choses machinalement. Henri Garcia est le seul homme à avoir plongé ici en 1995, décrochant à cette occasion le record de la plongée la plus haute du monde. Épuisé par l'ascension et l'altitude, il casse la croûte de glace superficielle de 15 cm d'épaisseur avec les moyens du bord. Cette portion d'eau libre dégagée sera l'unique point d'entrée et de sortie des plongeurs. Nicolas chausse ses bottines tant bien que mal et revêt une combinaison néoprène épaisse de 7 mm, sans oublier de se ceinturer de 18 kg de plomb. S'équiper dans des conditions normales n'est déjà pas une mince affaire. Ici, c'est un calvaire. On peut rentrer par là. Faut que j'en pète un peu plus, quoi. Regarde, Nico, l'épaisseur. Mes gants, par contre. Ma culotte. Tu te calmes. Tu te dis que mes gants ont été soigneusement mis par tes amis. Tiens. Je ne sais plus quels sont mes problèmes. 150 bars. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, lui, il a son oxygers. Bon, bah écoutez, là, j'ai tout fait pour éviter ce moment-là. Jusqu'au bout, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui nous l'éviterait. Il n'allait pas marcher. Il n'allait pas marcher. Et ma merde. Mais là, je suis pris à mon propre piège. C'est une connerie. Mais alors, vraiment, j'ai déjà vu des projets idiots. Mais à ce stade, ça dépasse l'entendement. Hop. Alors. T'es quoi de tête? Ce qui serait con, c'est le mec qui étouffe dans sa combi à 6000 mètres d'altitude, tu vois, il a passé tous les... Attends, ça en général, je m'en sors pas trop mal. Quand je vais te dire, tu vas me tirer la combi en arrière. La capuche. La capuche. Ouais. Faut pas essayer de les balayer un peu plus? Un. Deux. Vas-y.
Bon, attends. Ben non. Putain. Ne refais jamais ça. Attends. Je suis pas angoissé, mais je suis assez nerveux. Attends, je fais comme tu me le dis, hein. J'y fais tout comme if, moi. Bouge pas. Et si je, ouais, je te l'ouvre. Vas-y. Je tire. Allez, tire fort. Voilà. C'est déjà une étape passée. Alors attends. Après, il y a les cheveux. Ouais, mais alors attends. Là, tel que tu me vois, je suis en train d'étouffer devant tout le monde. C'est-à-dire que. T'as les oreilles qui tombent là déjà. C'est une face. De toute façon, j'irai pas à l'eau, donc je serai. Attends, bouge pas. Hein. Je passe sous la ceinture, hein. Non. Voilà. Tout parti. Partout par-dessus. Henri Garcia a choisi de plonger à l'oxygène pur. Un système respiratoire sans bulles dont sont équipés les nageurs de combat. Ça y est ? Ouais, t'es un champion. Nico, ton pilon là, il est vachement sorti du... Demande à Laurent. Viens garder le pas un filet avec des bouteilles pour passer. Henri, on fait les signes classiques, hein, mais si je te fais ça, ça veut pas dire que je perce la glace, ça veut dire que je reviens. Bon, Nicolas, la remontée ensemble, attendez-moi. Très lentement. Je filme par remontée, mais très lentement, hein, parce qu'on est au nitrox et on va... Oui, mais je vais te dire, si je me sens pas bien sous l'eau, moi je me fais demi-tour quasiment tout de suite. Oui, tu fais quasiment tout de suite. Attends, on va faire un truc, d'accord ? Vas-y. Quelqu'un va tenir à la main le bout, pas une pierre, à la main. Okay. On va partir avec le bout, tous ensemble, bras dessus, bras dessous. Hein, je vous like, d'accord, on va voir. Au bord du lac, l'inquiétude est palpable, y compris chez ceux qui ne vont pas sous la glace. En plongée, le moindre problème peut devenir très vite catastrophique. Le fil d'Ariane auquel seront reliés les nageurs ne sera pas d'un grand secours en cas d'incident, mais il leur permettra au moins de retrouver la sortie. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pour le tendeur à givré, à mon avis. Il fuse, j'ai pas pu l'arrêter. Il fuse, il s'est bloqué. Impossible de l'arrêter. On essaye d'ouvrir, j'en sais, voir. Oui. J'essaie de dessus. Ouais, j'ai essayé. Parfait. Stop. Ouais, c'est le contraire du mien, il n'y a pas assez d'air, tu vois. Les détendeurs des appareils respiratoires n'apprécient pas le froid. Pour limiter le poids du matériel à acheminer au sommet du volcan, ceux de secours sont restés au camp de base et une fois encore, il faut faire avec ce que l'on a. D'accord, toujours un minimum de tension, parce que si on revient dessus, on sait pas, toi. Hein. Okay. Alors, nous, on la met en tension, on vous tire ou on la met en tension? Qu'est-ce que t'en penses? Légère tension, la corde. Ok, d'accord. Bon, j'ai un problème, on tire deux fois rapide. Okay. Et on tire tout, nous, hein. Okay. Corde, hein. Le problème des plongeurs est de se déplacer sans trop soulever de sédiments, au risque de ne plus rien voir et peut-être de se perdre. Cet écosystème unique, de 150 mètres de long et de 10 mètres de profondeur, isolé à 6000 mètres d'altitude, recèle bien la vie. Ces taches rouges,
sont formés d'une multitude de minuscules crustacés dont les plongeurs ramèneront quelques précieux échantillons pour analyse. Accaparés par leur plongée dans cet univers étrange, stimulés par la découverte, régénérés par l'oxygène qu'ils respirent, les hommes s'enfoncent de plus en plus loin sous la glace. Nul doute, Patrick Blanc jubilera lorsqu'il réceptionnera les prélèvements. Sur la rive, on tient la vie des plongeurs au bout des doigts et l'on s'impatiente. Ils n'ont pas tiré sur la corde ? Ben, ils étaient en bout de corde, alors. Un semblant de secousse sur le câble. Ils l'ont lâché, non ? Ah non. Et le signal est donné. Je tire, moi. Allez, on les ramène. Hop, hop, hop. Ne traîne plus, là. Ne traîne plus. Dans le doute, la décision a été prise de ramener les plongeurs vers la surface. Mais tout va bien pour eux, plutôt étonnés de se faire tracter un peu brutalement vers la sortie. C'est impressionnant. Oh là là. Alors, je suis très léger, donc je suis en permanence collé à la glace. Allez, on te voit, ouais. C'est Henri qui a fait les prélèvements. Parce que moi, je suis collé là, au plafond. Il faudrait que je me remette 2-4 kilos, mais à la limite, je pense qu'on a déjà pas mal de choses. On a ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Patrick Blanc ? Ouais. Hein ? Voilà le résumé de la vie dans le plus haut biotope, probablement, du monde. Ça vous paraît sans doute insignifiant, mais... c'est quand même très émouvant. De prime abord, on peut observer au moins trois sortes de micro-crustacés. Deux espèces de cladocères, dont l'un est remarquable par sa grande taille, et une troisième espèce, un copépode, dont on connaît la présence dans d'autres lacs d'altitude de la cordillère. Les copépodes appartiennent à un groupe d'origine très ancienne, puisqu'ils seraient présents en Amérique du Sud depuis 150 millions d'années. Ces animaux planctoniques sont de grands nageurs. Pour se déplacer, ils utilisent leurs antennes et leurs pattes. Ils doivent leur superbe couleur orangée aux molécules de carotène contenues dans leurs cellules graisseuses. Ce dernier assurerait une protection contre les intenses radiations du soleil à ces hautes altitudes. Contrat rempli pour les plongeurs. Après leur séjour dans l'eau proche de 0 degré, tous sont exténués et frigorifiés. Mais la satisfaction de la mission accomplie est là. Nicolas et son équipe peuvent désormais envisager de redescendre. Ce 6000 mètres en daim méritait d'en quitter le sommet d'une manière originale. Encore fallait-il que l'aérologie le permette. Sandy Cochepin, championne du monde de parapente, donne à Nicolas les derniers conseils pour décoller et voler à cette altitude inhabituelle.
plan de vol. On dégage perpendiculairement en relief. Tout de suite, virage à droite, donc main aux épaules, pour ne pas pénaliser ton taux de chute, et avoir le vol qui dure le plus longtemps possible. Tu gardes toujours un peu de pression ? Tu gardes toujours un peu de frein, oui. D'accord. Sauf si je veux mettre ma sellette, mais elle va peut-être se mettre toute seule. Normalement... En remontant les genoux, ça se... Voilà, normalement, hop, tu fais un peu de lambada comme ça dans la sellette, et tu glisses... Comment je fais ? Lambada comme D'accord. ça. D'accord. Et tu glisses dedans sans problème. Si jamais tu n'y arrives pas, tu t'éloignes d'abord du relief, tu lâches tes deux commandes et tu vas t'installer. C'est le coup de la lambada qui m'a motivé là. Bon. Ça me donne une pêche. Parce que là, il y a quand même falloir courir, hein, vu l'altitude. L'air est moins dense, donc il y a moins de portance. Donc il faut courir beaucoup plus longtemps et plus vite pour que la voile elle prenne ton poids en charge complètement. D'accord ? Donc vraiment insister dans la course. Non okay seulement moins d'oxygène pour l'organisme, en plus. Ouais. Moins d'air pour la portance. Tout en continuant ton mouvement de gonflage, tu te replaces dessous en te déplaçant latéralement. Allez, un peu d'énergie, monte ta voile, encore, encore. Tu lâches les avant, lâche les avant, lâche les avant. Il faut courir plus vite. On s'arrête, Nico, on s'arrête. On la monte, tu lâches tes avant et il faut courir maintenant. Tu cours, tu cours, tu cours. Continue de courir, continue, encore, encore, encore. C'est super, continue, continue. Et c'est parti, yahoo! S'accumuler pendant des jours se dissipe pour permettre au regard seul d'apprécier l'œuvre d'artiste de ce désert d'altitude, Laguna Bianca, Laguna Verde et derrière nous l'Atacama côté Chiña. C'est maintenant au tour de Sandy qui rêvait de cet instant depuis longtemps.
Ouais, Sandy, voilà, tu te poses pile dans l'axe Likang-Kabour, la lagune. Magique, extra. 20 minutes de vol auront suffi à Sandy et Nicolas pour évacuer les fatigues et le stress accumulés au fil de l'expédition. C'était le prix à payer pour ces images et ces sensations mémorables, et surtout pour constater que la vie sous les formes les plus inattendues a su s'adapter et faire sienne les endroits les plus improbables de la Terre. Le vent s'est levé. Avec ce vent-là, le vol n'aurait pas été possible depuis le Likang-Kabour. Ce qui est étonnant, c'est que la coloration de la Laguna Verde n'est pas due, comme à la Laguna Colorada, à une algue. Elle n'est pas d'origine végétale, elle est d'origine minérale. Et le plus surprenant, c'est de trouver de telles quantités d'eau dans un milieu désertique. Mais malheureusement, ce n'est pas de l'eau disponible, car ce n'est pas de l'eau potable. Et c'est bien l'un des nombreux paradoxes de ce maître sévère et sans concession que l'on appelle le désert et sous l'autorité duquel nous avons vécu pendant plusieurs semaines, oublier le froid, oublier le chaud, oublier l'épuisement. Seul reste en mémoire deux choses. D'abord, cette fantastique obstination, ce tour de force de la vie a existé ici dans un équilibre parfait, subtil, mais ô combien délicat. Et puis, sur l'échelle de l'adaptation, le visible et l'invisible, notamment ce que l'on a trouvé en haut du Likang-Kabour, rivalisent définitivement d'ingéniosité. Mais ce qui nous a le plus frappé, c'est qu'on a le sentiment que la seule réponse de la nature à la pénurie, c'est la beauté. Faut-il y voir un message, tout au moins un symbole ? Bonsoir.